Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon second point lecture pour le mois d'août. Et du coup dans cette vidéo j'aurai 5 romans à vous présenter. Du coup dans cette vidéo je vous parlerai tout d'abord de ma lecture de Une fille qui danse par Julianne Barnes en version livre audio. Ensuite je vous parlerai de ma lecture de La petite fille de la rue Maple par Hélène Husset. Puis ce sera au tour de ma lecture de La faucheuse par Neil Schusterman, donc le premier tome. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de L'irrésistible histoire du café Myrtille par Marie Simsès aux éditions Nil. Et je terminerai avec ma lecture des 12 rois de Charakai, le premier tome par Bradley P. Beaulieu, donc le premier tome de la série Charakai. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec ma lecture de Une fille qui danse par Julianne Barnes. C'est un roman qui m'a été proposé par Audible pour l'écouter du coup en livre audio. Et ce qui m'a fait accepter, eh bien, c'est en grande partie le narrateur de cette histoire. Puisque pour moi c'est quelque chose de vraiment très important quand j'écoute un livre audio. Si je n'aime pas la manière dont est lu le livre audio, enfin, en fait il y a des extraits qu'on peut écouter. Si j'aime pas l'extrait, eh bien je ne prends pas le livre, je ne lis pas. Tout simplement parce que voilà, je sais que si je n'aime pas la manière dont c'est lu, je n'aimerais pas le récit non plus. Et en l'occurrence, ce livre-ci est lu par Théo Frillet, qui est la voix française donc, de Norbert Dragonneau, donc, ou Newt Scamander, donc, dans Les Animaux Fantastiques. Et c'était également lui qui avait lu du coup le livre audio des Animaux Fantastiques, que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, j'avais vraiment adoré la narration qui était faite par Théo Frillet. J'avais également pu le rencontrer parce qu'on avait eu une lecture en live justement pour la sortie des Animaux Fantastiques. C'était un moment juste génial. Du coup voilà, Théo Frillet, je connais, je fonce les yeux fermés. En plus de ça, du côté du résumé, ça me disait bien, puisque le récit se passe en grande partie autour des années 50 ou 60 peut-être, je sais plus exactement. Enfin voilà, avec une histoire de groupe d'amis, de secrets, enfin je me suis dit pourquoi pas, on va tenter, après tout c'était au frilet, a priori, au moins j'aimerais la manière dont c'est lu. Donc voilà, du coup on l'a écouté avec ma copine Mélissandre et on a toutes les deux vraiment passé un bon moment avec ce livre. En fait donc on suit notre narrateur qui s'appelle Tony, on le découvre du coup, je sais plus si c'est les années 50 ou les années 60, on le découvre à cette période-là avec son groupe d'amis et c'est un groupe d'amis qui est vraiment dirigé entre guillemets par Adrian, qui est un jeune homme qui est très brillant, qui est très admiré par tout le monde. Tous les professeurs l'encensent, disent qu'il va lui arriver des grandes choses dans la vie, que c'est quelqu'un de très intelligent, etc. Alors que du coup les autres personnages sont plutôt effacés, comme c'est le cas de Tony. Et en fait à cette époque-là également, Tony sort avec une jeune femme qui s'appelle Véronica, et Véronica en fait ensuite va sortir avec Adrian et il va y avoir pas mal d'histoires. Ensuite du coup on le découvre à la fin du lycée à peu près. Après on les suit donc quand ils partent faire leurs études chacun de leur côté, et ensuite donc voilà, on va suivre un petit peu toute la vie de ce personnage là un petit peu en accéléré jusqu'à environ ses 60 ans. Et arrivé autour de cet âge là, eh bien il y a quelque chose qui va ressurgir, quelque chose qui fait référence à son passé, et notamment donc à toutes ces histoires avec Véronica et Adrian. Tout ça va ressurgir, il y a beaucoup de secrets qui vont émerger peu à peu, et j'ai vraiment bien aimé. C'est... Ouh, bah c'est éteint. C'est un livre audio donc qui est assez court, il fait 5 heures, et le livre papier fait à peu près 200 pages. Voilà, ça a été une belle lecture pour ma part, je suis contente de l'avoir découvert. C'est un livre qui n'avait pas forcément pourtant d'excellentes notes sur Livradict, mais voilà, pour ma part ça a été une bonne lecture, et pour Mélissandre aussi. Et je suis curieuse de voir ce que va sortir Julianne Barnes ensuite. A priori, il a un nouveau livre qui devrait sortir sur Audible, si je dis pas de bêtises, dans pas très longtemps. Je sais pas si c'est un livre qui sort en même temps en papier ou pas, enfin bref. Donc voilà, en tout cas, je l'ai bien aimé pour ma part. Et du coup, j'ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai lu La petite fille de la rue Maple par Hélène Husset aux éditions Mosaïque Poche. C'était un livre qui était offert pour deux livres Mosaïque Poche achetés. Je sais pas s'il a été vendu en fait juste en Mosaïque Poche, en dehors de cette offre là, je suis pas sûre. Sinon il était sorti en grand format chez Mosaïque et vous pourrez facilement je pense le trouver d'occasion. Pour ma part je l'avais acheté d'occasion. C'est un livre en fait qui m'intéressait, je pense que vous pouvez vous douter pourquoi. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup les romans autour de la ségrégation raciale, parce que ce sont souvent des romans qui promettent de la révolte, des combats pour la liberté, des luttes égalitaires, enfin voilà, ce genre de choses, et ce sont des thèmes qui me parlent beaucoup.
Et voilà, du coup, je suis toujours très contente de découvrir ça, que ce soit des grands combats ou juste des petites choses du quotidien, comme c'est un petit peu plus le cas ici. Mais voilà, en tout cas, ce livre aussi, ça a été plutôt une belle lecture. C'est pas le roman qui va le plus vous en apprendre sur la ségrégation raciale. C'est pas non plus le roman le plus représentatif de cette époque, mais j'ai bien aimé. En fait, c'est un roman dans lequel on suit trois personnages principaux. Tout d'abord, on suit deux femmes. L'une des deux s'appelle Cassie et c'est une jeune américaine blanche. Et l'autre s'appelle Betty et Betty, elle, c'est une afro-américaine, du coup noire, qui vit dans les quartiers pauvres, mais elles habitent dans la même ville. Et Betty vit avec sa mère et sa fille. Sa mère, c'est une assez vieille dame, mais qui dirige un petit peu tout, qui a un très chouette caractère que j'ai beaucoup aimé. Et sa petite fille s'appelle Billy, et le troisième point de vue qu'on va suivre, c'est celui de Billy, qui est une jeune fille qui a une dizaine d'années et qui est un petit peu perdue avec tout ce qui se passe autour d'elle, puisqu'en fait, sa maman, donc Betty, est atteinte d'un cancer, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas d'une maladie grave. Elle sait qu'elle va décéder prochainement, et du coup, dans une sorte d'élan de désespoir, elle publie une petite annonce dans le journal qui dit que voilà, elle cherche une bonne famille pour reprendre sa fille Billy quand elle va mourir, pour s'occuper d'elle et lui offrir une meilleure vie. Cassie, qui est une jeune rédactrice, qui est rédactrice, je crois, dans un journal, va voir ça, en fait, va voir la petite annonce et va décider tout d'abord d'aller rencontrer Betty et Billy pour faire en fait un article de journal pour parler de cette histoire-là et pour essayer de faire en sorte à faciliter cette adoption. Du coup, elle va la rencontrer, sauf que ça va être au départ très compliqué entre les deux femmes, elles ne vont pas du tout bien s'entendre, ce qui va changer ensuite. Et donc voilà, par rapport à ce que je vous ai dit comme résumé, je pense qu'on peut se douter de comment ça va finir. En tout cas, pour ma part, je le voyais venir gros comme une maison. Mais en fait, c'est pas ça vraiment qui est au centre de l'histoire. Pour moi, ce que j'ai retenu essentiellement de cette histoire, c'est l'histoire d'amitié qui va se mettre en place entre Cassie et Betty, qui est une amitié très forte, qui va se mettre en place malgré tous les préjugés qu'il peut y avoir, aussi bien dans l'entourage de Betty que dans l'entourage de Cassie, ce que j'ai trouvé d'ailleurs assez intéressant. Et voilà, j'ai beaucoup aimé comment ces deux femmes que tout oppose au départ vont se rapprocher et comment Billy en fait va les rapprocher. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, c'était une petite histoire très mignonne. C'est pas, comme je vous l'ai dit, le meilleur livre sur ce sujet. Pour information, le roman se passe 3 ans après l'abolition des lois sur la ségrégation raciale. Voilà. On sent que c'est encore présent, que c'est encore dans les mœurs, mais c'est pas le pire que j'ai lu sur le sujet. En tout cas, voilà, c'était une bonne lecture pour ma part, je lui ai mis la note de 16 sur 20 et je vous recommande. Ensuite, après ça, j'ai repris donc ce que je m'étais fixé depuis début août, à savoir une alternance entre un livre imaginaire et un livre non imaginaire. J'avais fait une petite exception avec le livre audio, mais bon, il était assez court et assez vite lu. Et du coup, je me suis lancée enfin dans La Faucheuse de Neil Schusterman avec le premier tome, publié donc dans la collection R. En fait, c'est le dernier roman parmi les 7 finalistes du PLIB dont je suis jury et dont je vous reparlerai très prochainement. Et du coup, voilà, c'était le dernier qui me manquait, le dernier qui me restait à lire. En fait, si j'avais pas encore lu, c'est parce qu'il me faisait un peu peur, tout simplement parce que je suis un petit peu déçue par les dernières publications de la collection R. Je trouve que leurs romans se ressemblent un peu trop les uns les autres et qu'il y a souvent un peu trop de clichés ou de... Voilà, je suis pas vraiment très souvent surprise par leurs romans. Et c'est ce qui me manquait un peu. C'est pour ça un peu que j'ai arrêté d'ailleurs de suivre leurs différentes publications alors que je les suivais avant. Mais voilà, il faisait partie des 7 finalistes, du coup il fallait que je le lise. Et après tout, j'en avais entendu quand même de très bons avis, donc je me suis dit bon, ben on va se lancer. Et je dois dire que je suis très contente parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ce clip, je serais passée à côté du roman et ça aurait été dommage parce que vraiment ça a été une très belle lecture pour ma part. C'est un roman qui fait quasiment 500 pages et pour tout vous dire, je l'ai lu en une après-midi, je l'ai vraiment dévoré. En fait, donc c'est un roman dans lequel il n'y a plus de maladie et les gens ne peuvent plus non plus mourir de vieillesse. Du coup, les gens peuvent vivre très très vieux, en fait leur corps se régénère et voilà, ils ne meurent pas. Le seul moyen par lequel les gens peuvent mourir, c'est par le biais des faucheurs, qui sont donc une sorte d'ordre, de caste, je sais pas comment on peut dire ça, qui s'est formé et qui a toute une, enfin voilà, tout un truc avec des apprentis, des épreuves, etc. pour voir si on peut devenir un faucheur. Et en fait, nous, on va suivre 2 personnages principaux, une fille et un garçon, je me souviens plus de leur prénom. Et en fait, les deux vont être choisis par un faucheur pour devenir ses apprentis, en sachant que c'est un homme qui n'a jamais pris d'apprenti avant. Mais voilà, il va décider de les prendre tous les deux en apprentissage et de faire leur apprentissage ensemble.
pour qu'ils deviennent des faucheurs. Et en fait, s'ils ont été choisis, ben, c'est en partie parce qu'ils n'avaient pas envie d'être des faucheurs et parce que ce sont des personnes qui ne prennent pas du tout de plaisir à tuer quelqu'un. Et voilà, le faucheur qu'on suit, en fait, c'est un homme qui est assez intègre et qui a dit que si tu prends du plaisir à tuer quelqu'un, tu n'es pas un bon faucheur. En fait voilà, les faucheurs ont un certain nombre de personnes à tuer par an et après chacun décide de comment il les tue, comment il les sélectionne, enfin bref, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir comment chaque personne, comment chaque faucheur a sa propre vision sur la mort, sur ce qui doit être fait, sur ce qui est une mort digne, est-ce que la personne mérite une mort digne ou pas. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce roman, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait une situation à laquelle je m'attendais, eh bien l'auteur nous retourne complètement le truc. Donc à chaque fois que je me disais, ouais bon là je sens un peu venir qu'il va se passer ça, ça semble un peu facile, et bah paf, il se passe autre chose. Et du coup, l'auteur commence à nous entraîner là-dessus et puis il change et je trouvais ça vraiment bien parce que du coup il y avait énormément de surprises dans ce roman. Et voilà, c'est un roman qui m'a surprise tout du long, qui m'a complètement embarquée, qui m'a complètement prise. Et du coup ça s'éloigne pas mal de tous les clichés un peu young adult qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et c'était bien. Donc voilà, ça a été vraiment une belle découverte pour ma part. J'ai mis la note de 18 sur 20 et je suis curieuse de voir ce que donnera le tome 2. Le tome 1 ne finit pas sur un cliffhanger, mais pour autant on comprend bien que ce n'est pas terminé. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Il y a le chat de mes voisins qui est juste à côté et qui me regarde. C'est flippant. Ensuite, donc j'ai donc lu L'Irrésistible Histoire du Café Myrtille par Marie Simsès aux éditions Nil. J'aime énormément cette couverture, vraiment beaucoup. En fait, donc, c'est une comédie romantique dans laquelle on suit une femme qui s'appelle Hélène Brandford, qui est une avocate new-yorkaise qui a une très grande vie, enfin voilà, qui est très connue, qui va se marier avec son associé, ils sont super réputés, ils ont plein d'argent, enfin bref, voilà. La grand-mère d'Hélène va décéder et la grand-mère d'Hélène va demander à Hélène de remettre une lettre à un homme qui a beaucoup compté dans sa vie, qu'elle a connu quand elle était jeune, et voilà, qui a beaucoup compté. Et du coup voilà, Hélène va décider de prendre une pause de sa vie pour aller dans le Maine, dans une petite ville qui s'appelle Beacon, qui est une petite ville un peu paumée et très loin de son standard en gros, et voilà. Et là-bas en fait elle va se mettre à la recherche de cet homme pour lui remettre la lettre. Quand elle arrive là-bas, elle est un peu déboussolée et en fait elle va tomber dans le ponton et va se noyer. Et elle va être sauvée par un homme qui s'appelle Roy, et qui est un local, et qu'elle va être amenée à recroiser à de nombreuses reprises ensuite. Donc voilà, comme je vous l'ai dit au début, c'est une comédie romantique, on se doute bien de comment ça va finir. Mais malgré tout, eh ben, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment avec cette histoire. C'est une petite histoire toute mignonne, toute douce. À côté de ça, il y a l'histoire de la grand-mère qui amène vraiment un côté où on veut savoir ce qui se passe, où on est curieux, parce que cette grand-mère finalement cache énormément de secrets sur sa vie. Il y a plein de choses que sa famille ne connaît absolument pas. Et voilà, ça a été vraiment du coup une bonne découverte pour ma part. Je suis contente de l'avoir lu. C'est un roman assez simple, mais que j'ai trouvé plutôt touchant et assez mignon. Et du coup j'ai mis la note de 16 sur 20. Et je l'avais reçu de la part de la maison d'édition Nil, je tiens à préciser, et du coup je les en remercie, d'autant plus que bon, l'envoi était un peu compliqué, mais j'ai fini par le recevoir, et en plus par l'aimer. Et du coup pour terminer avec ce point lecture, j'ai donc lu Les 12 rois de Charakai, le premier tome de la série Charakai par Bradley P. Beaulieu aux éditions Brajlon. C'est un roman que j'avais repéré à sa sortie, que j'avais fini par trouver en occasion à 4,50€, sachant que c'est donc un Brajlon à 25€. Hein. Je l'avais un petit peu laissé traîner parce que c'est un roman de fantasy, il fait 575 pages, Brajlon c'est pas forcément écrit très gros, voilà. Hein. Donc ça me faisait un peu peur, je pense que du coup je me le gardais pour les vacances, et en plus de ça, du fait que ce soit de la fantasy orientale, c'est vrai que ça se porte bien à l'été. J'avais laissé passer l'été dernier puisque je l'avais déjà dans ma palle à ce moment-là. Donc voilà, c'était enfin le bon moment pour le lire. C'est un roman qui certes fait 575 pages, mais j'ai trouvé que c'était pas un roman forcément très compliqué à lire. C'est-à-dire que je pense qu'il peut être accessible pour des gens qui ont déjà lu de la fantasy, mais pas forcément des gros adeptes de fantasy pure et dure. Il y a pas mal d'histoires qu'on suit différentes, mais je trouve que c'était pas forcément très compliqué de s'y repérer.
En fait, on suit l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Seda. Seda a été élevée par sa mère, mais sa mère est décédée quand elle était assez jeune. Je ne sais plus si elle avait 7 ou 10 ans, enfin bref, quand elle était enfant. Sa mère est morte, et sa mère était une femme dont elle ne sait pas grand-chose, mis à part que c'était une femme qui combattait en fait les 12 rois de Charakai, donc qui sont les personnes qui gouvernent la ville. Et la mère était contre ce pouvoir qui existe et essayait un peu de renverser ça. Et en fait, elle a été tuée en essayant de renverser, donc elle a été marquée comme étant... une ennemie, etc. Et du coup, Seda a comme objectif dans sa vie eh bien, de venger sa mère en tuant les 12 rois de Charakai pour renverser ce pouvoir. Donc c'est vraiment quelque chose qui va l'obséder. Et du coup, pour parvenir en fait à son but, depuis ses 14 ans, elle combat dans une arène. Elle a pris le pseudonyme de la Louve Blanche, ainsi que tout un déguisement, du coup les gens ne la reconnaissent pas. Et elle va du coup combattre dans l'arène et va devenir en fait une sorte de champion d'arène puisqu'elle est vraiment très très forte et très connue également. À côté de ça, elle mène une vie assez simple avec des personnes qu'elle connaît depuis toujours, notamment un ami d'enfance dont j'ai beaucoup aimé le personnage. Et voilà, elle mène du coup toute cette vie-là, elle essaye toujours de découvrir de nouvelles choses sur les 12 rois, comment est-ce qu'elle peut les atteindre, etc. En fait, du coup, on va suivre différents points de vue. Donc le point de vue principal, c'est celui de Seda. On suit également quelques points de vue de personnes qui gravitent autour d'elle, qui sont essentiellement des personnages masculins. Et on suit également les aventures de Seda, mais quand elle était plus jeune. Du coup, voilà, petit à petit, en fait, on va remonter dans sa vie, découvrir son passé, qui elle était, etc. J'ai vraiment trouvé que le personnage de Seda, justement, était très bien fouillé. J'ai beaucoup aimé également les personnages secondaires et l'univers. Et en plus de ça, j'ai trouvé que c'était très immersif. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Je suis curieuse de voir ce que donnera la suite. C'est une série qui est prévue comme étant en 6 tomes. Pour l'instant, il y a 2 tomes qui sont parus en français. Le 3e tome devrait sortir dans pas très longtemps, si je dis pas de bêtises. Ils sortent tous à peu près à 1 an d'intervalle et autour de août, septembre, octobre, enfin voilà, toujours dans ces eaux-là. Du coup, le 3e tome ne devrait plus trop tarder et voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. En tout cas, pour ma part, j'ai bien aimé ce premier tome et puis bah voilà. Et du coup, j'ai mis la note de 17 sur 20. Sur ce, j'en ai fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces romans, ou bien si vous en avez déjà lu certains, est-ce que vous en avez pensé. Sur ce, donc j'en ai fini, j'espère que ça vous a plu, et pour ma part, je vous dis à très bientôt, et puis d'ici là, faites de belles lectures et portez-vous bien. Salut !